besoin d'aide. Hé, hey, Kara. Ça va? Je ne sais pas si je peux vraiment dormir après tout ce qui s'est passé. Et après avoir entendu ce que m'a dit Sarah. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a donné ça. Voici les preuves contre Alex. Elle affirme connaître quelqu'un qui connaît le lien entre Alex et Dina. Dina? Oui. Dina. La femme qui a kidnappé notre fille. Et tu la crois? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je ne sais même plus qui je dois croire, ou même... Je ne sais plus quoi penser. Pourquoi est-ce que rien ne semble s'arranger? J'en peux plus de vivre dans la peur. Je veux seulement une chose, c'est que tout cela se termine une bonne fois pour toutes. Qu'on vive enfin Kara, en tout paix. Tout va s'arranger. Et si... Et si... Alex était vraiment mêlé à tout ça? Et si Sarah disait la vérité? Eh bien, si c'est Alex qui est derrière tout ça, je n'hésiterai pas un instant à la mettre derrière les barreaux. Laura, j'espère que mon intuition me trompe. Mais vu la colère de Kara contre Sarah, elle aurait pu appeler la police. Non, elle ne ferait jamais ça à sa sœur. La raison pour laquelle elle acceptait de rencontrer Sarah était justement de mettre les choses au point et de convaincre Sarah de se rendre calmement. Impossible, elle n'aurait pas appelé la police. Mais pourquoi la police suivrait-elle Kara si elle n'a pas été prévenue au préalable? Et comment la police savait-elle que Sarah était là? Ne penses-tu pas que quelqu'un les a prévenus? Je ne sais pas comment ils l'ont découvert. Je crois que ça ne vient ni de Kara, ni de Seb. Peut-être que quelqu'un d'autre était au courant de leur rencontre. Et cette personne est la raison pour laquelle ma fille est en danger. Oh, mon cœur, Itoy. Itoy, ce n'est pas que je le souhaite, mais... Je préfère voir Sarah en prison pour le reste de sa vie que de la perdre pour toujours. Itoy, Itoy. Laura, arrête de penser comme ça, s'il te plaît, ne pense pas comme ça, d'accord? Tu sais, ta petite fille agit de la même manière. Elle s'inquiète pour sa mère tout comme toi. Je n'arrive pas à la faire dormir. Elle est vraiment inquiète pour Sarah. Je lui dis de ne pas s'inquiéter, mais de plutôt prier pour qu'on reste ensemble. Ça va aujourd'hui, repose-toi, d'accord? Itoy. Kara. Maman, je suis aussi inquiète. J'ai l'impression que Sarah est en danger. J'espère que ce n'est pas le cas. J'espère qu'elle est en sécurité. Moi aussi. Je ne veux vraiment pas qu'il lui arrive malheur. Même si nous ne nous entendons pas et que je suis en colère contre elle, je ne veux pas que quelque chose de mal lui arrive. Je ne voulais pas que cela lui arrive. Mais si elle est vraiment innocente, j'espère qu'elle se rendra tranquillement. Pour que tout cela se termine enfin. Je l'espère aussi. Edouard, Sarah. Aide-moi. Sarah, et ta blessure? Ça va, c'est juste une égratignure.
Je dois partir d'ici, la police pourrait me retrouver. Sarah, attention, attention. Doucement. Je t'en supplie, ne me dénonce pas à la police. Ne me livre pas à la police. Sarah, je ne ferai jamais une chose pareille. Allons-y. J'ai vu des policiers de ce côté et ils te cherchaient. Alors passons de ce côté, d'accord? Viens avec moi. Doucement. Attention. Je suis là pour toi, Sarah. Doucement. Attention. Nous y sommes bientôt. Ça va, tu peux tenir? Attends-moi. Attention, fais gaffe. Allez, appuie-toi sur moi. Fais attention, d'accord? Voilà. Allons-y, appuie-toi sur moi. Oui, c'est ça. Allez, rentre. Doucement. Où sommes-nous? Pourquoi tu m'as emmené ici? Sarah, cette maison nous appartient. Bon timing, hein, le locataire vient de partir. Tu seras beaucoup plus en sécurité ici. Allonge-toi sur le sofa. Attention à toi, d'accord? Doucement. Doucement. Attends. Sarah, attends, laisse-moi le faire. Sarah, laisse-moi faire, ne bouge pas. Je vais prendre soin de toi. Attends. Ok, où est-ce que tu as mal? On va soigner la blessure. Je fais attention. Chut. Tiens bon, encore un petit peu. Je suis là, je suis là. Désolé, désolé. Comment c'est? Est-ce que c'est profond? C'est pas si profond. Heureusement, ce qui n'était qu'une égratignure. Regarde tout ce sang. Bon, tiens bon, Sarah. Hein. Je vais te soigner tout ça. Merci d'être venu me chercher. Mes amis, qu'est-ce qui leur est arrivé? La police les a arrêtés. Je pense qu'elles sont en train d'être reconduites à la prison. Quoi qu'il en soit, ne t'inquiète pas pour moi. Je fais tout ça de mon propre gré, ok? C'est ma faute. Elles ont été arrêtées à cause de moi. Aïe! Chut, chut, désolé, désolé. Elles se sont sacrifiées pour que je puisse m'échapper. Dis-moi, vous devez vraiment être proche vu les sacrifices qu'elles ont consenti à faire pour toi. En fait, même si nous n'avons pas passé assez de temps, nous avons développé une solide relation. Je n'oublierai jamais ce qu'elles ont fait pour moi. C'est pourquoi je dois tout faire pour réaliser mon plan. Sarah, je suis sûr que tu ne les décevras pas. Mais s'il te plaît, oublie tout ça pour le moment. Pense à toi-même. Tu dois te reposer. Allez, vas-y. Repose-toi un peu. Il y a une chambre à l'étage. Voudrais-tu que je t'y amène? Pas besoin, je suis bien où je suis. Ça va aller, tu es sûr? Fais attention. Tu es sûr? Oui, je vais bien. D'accord. Reste dans ce sofa. Je vais t'aider à t'allonger. Doucement. La tête d'abord. Aïe! Chut! Doucement. Doucement. Attention.
Ne bouge pas, allonge-toi. Je vais t'enlever tes chaussures. Ça va ? Oui, merci. Je suis juste à côté. D'accord ? Restons ici pour l'instant. Ok. Sarah. C'est ouvert ? Viens, cette maison a l'air vide de toute façon. Fais voir ici. Monsieur, mange. Hey, je suis certaine que ça te surprend, n'est-ce pas? Tu sais, depuis que je suis enfant, j'ai l'habitude de faire les tâches ménagères. Je cuisine et en plus, je fais beaucoup de choses. Les reines de beauté, comme nous, ont beaucoup de talents cachés, c'est pourquoi. Je sais que quelle que soit la situation ou l'endroit où je me trouverai, je l'aurais jamais fait. Je suis très ingénieuse. Tu me suis, n'est-ce pas? Tu penses que je te suis? Oui. Je ne te suis pas, ok? C'est ton ami, présente-la nous. Hé, hey, j'ai regardé vos vidéos. Écoutez, vous êtes géniaux. Moi, je suis un de vos fans. C'est bien. Pourrais-je prendre une photo? Voilà. Bien sûr. Souris. Sourire. Souris. Allez-y. Voilà. Ok. Ok, voilà. Wow, pas mal. On dirait qu'il me reste encore beaucoup de choses à découvrir. Tu m'as peut-être échappé une fois, Suarez. Mais ce n'est pas encore terminé. Caridad Laxamana n'était pas avec Sarah et les autres. Caridad a une fille. Et il est possible qu'elle cherche à la rejoindre. Vous êtes sûr qu'elle n'était pas là? Vous êtes sûr d'avoir bien fouillé la zone? La zone est vaste! Nous avons fouillé la zone pendant toute la nuit. Nous avons également vérifié les endroits à proximité. Mais nous n'avons pas trouvé Sarah. Donc il se pourrait qu'elle soit en sécurité. Vous avez dit que Sarah avait reçu une balle. Donc elle doit être allée à l'hôpital. Mon équipe vérifie actuellement si Sarah s'est rendue dans une clinique ou un hôpital à proximité. J'attends encore leur rapport. Il y a une autre fugitive qui s'était évadée avec Sarah. Mais nous ne l'avons pas encore retrouvée. Caridad Laxamana. Sarah pourrait aller vers elle. Je vous en supplie. Surtout vous, Madame Acosta. Si jamais Sarah vous appelle, informez-moi immédiatement. Évitons que ce qui s'est passé se répète à nouveau. Je dis ça pour le bien et la sécurité de tous. Ok, monsieur. Nous allons veiller sur vous et vous protéger. Si nous devons rester tous les jours avec vous, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, nous le ferons. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous allons garder votre famille sous haute surveillance. Ceci est pour le bien de tous. De cette façon, Sarah ne sera plus un danger pour vous. Je comprends. Je vous en supplie une fois encore. Si vous avez des nouvelles de Sarah, veuillez nous en informer immédiatement. Je veux voir ma fille. Je veux m'assurer qu'elle n'est pas gravement blessée. Je ne dormirai pas tranquille tant que je ne saurai pas comment elle se porte. Maman est
toujours en vie. Je le sens, maman est toujours en vie. Becca. Je n'ai rien fait, chérie. À cause de toi, maman s'est fait tirer dessus. Becca, tu te trompes. Je ne voulais aucun mal à Sarah. Je voulais juste lui parler. Mais la police la poursuit maintenant à cause de toi. Ça n'aurait pas dû être ainsi. Becca, s'il te plaît, écoute-moi. Je pensais que tu étais gentille. C'est la raison pour laquelle je vous aime, maman et toi. Mais à cause de toi, maman s'est fait tirer dessus. Je me rends compte que tu n'es pas du tout gentille. Tu pleures déjà? Chut! Tu vas nous porter malchance. Tais-toi. Arrête de pleurer. Bonjour, madame. Cette matinée serait parfaite si vous avez un cadeau pour nous. Vous êtes bien Rosalie Laxamana? Chut, chut. Hein? Pourquoi cette question? Qui êtes-vous? Inspecteur Arellano, madame. Je m'occupe de l'affaire de Caridad Laxamana. Et je pense que c'est votre mère. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oh mon Dieu, je n'ai plus rien à voir avec elle. Pourrais-je inspecter la maison? Pourquoi? Vous ne trouverez rien ici. Rosalie, votre mère est une fugitive. Elle est avec une autre détenue, Sarah Suarez. Il est tout à fait plausible qu'elle soit venue ici. Et si jamais vous les cachez, vous risquez d'être mêlé à cette affaire. Allez-y. Faites comme vous voulez. Vous ne trouverez rien, même si vous fouillez ma maison de fond en comble. Alors ? Si votre mère cherche à vous contacter ou si jamais elle vient ici avec son amie, appelez-moi, d'accord ? N'hésitez surtout pas. Merci. Tes pleurs nous attirent la malchance. Bonjour, monsieur. Oh, est-ce bien le bureau de Severino Gomez? En effet, puis-je savoir qui vous êtes? Avez-vous un rendez-vous avec monsieur Gomez? Non. Mais j'espérais juste pouvoir lui parler, même pendant quelques minutes. C'est important. Désolé, monsieur. Monsieur Gomez n'accepte pas les visites sans rendez-vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser votre nom et votre numéro de téléphone. Je pourrai l'en informer. Alors, s'il vous plaît, mademoiselle, j'ai vraiment besoin de lui parler. S'il vous plaît, ça ne prendra pas longtemps. Que se passe-t-il ici? Ah, monsieur, désolé, cet homme insiste pour vous parler. Je suis désolé, ça ne sera pas long. Mais je dois vous parler de ma sœur, Alex Acosta. Je suis désolé, mais je suis occupé en ce moment. Je vous prie de quitter mon bureau maintenant. Monsieur Gomez, j'ai vraiment besoin de connaître la vérité. C'est l'avenir de ma famille qui est en jeu. J'ai besoin de connaître la connexion entre Alex et Dina. Que savez-vous à propos d'elle? Monsieur? Sébastien Acosta. Monsieur Acosta, par votre comportement, vous me dérangez ainsi que tout le bureau. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis qu'un homme d'affaires. Je vous en prie, ne m'impliquez pas dans les problèmes de votre famille. Si vous ne partez pas maintenant, je vais appeler la police. Veuillez demander à la sécurité de reconduire cet homme dehors. Bien, monsieur. Monsieur Gomez. Sécurité, le hall, s'il vous plaît. Edouard? Oh! Sarah! Ça va mieux?
Je vais bien. Pourquoi ? Rien. J'ai lavé nos vêtements de la nuit dernière. Comment va ta blessure ? Ça fait toujours mal, mais je peux supporter. Tu es sûre ? Tu as besoin de quelque chose ? Je dois quitter cet endroit le plus vite possible. La police pourrait me retrouver. Sarah, où comptes-tu aller ? Je dois voir Madame Karim. J'ai très mal pour elle, car personne n'est avec elle. Elle est toute seule. Je vais t'emmener là-bas. Eduardo, tu en as déjà fait assez. Sarah, c'est dangereux pour toi dehors. Arrête d'être têtue. Je vais t'y conduire. Merci. De rien. Edouard, tu sais quoi? J'ai comme une impression de déjà-vu. Tu t'en souviens aussi? C'était le jour où nous avons eu un problème sur le chemin du photoshoot. Par la suite, nous nous sommes retrouvés dans un endroit comme celui-ci. Oui. Mais la situation de l'époque est différente de la situation actuelle. Nous n'avions pas tant de problèmes auparavant. Nos vies étaient assez simples en ce temps-là. Si seulement les choses étaient pareilles dans ces temps-ci, calmes et simples. Maintenant, les problèmes s'enchaînent. Lorraine, allons-y, sinon on va rater le bus. Ok. Au revoir, madame. Madame, nous allons rentrer. Je vais fermer le bureau. Ok, au revoir, madame.